Devant la menace de Peter Watson qui veut faire raser le watersport, Nicolas et tous ses amis de l'île ont décidé de prêter main forte à Jimmy en occupant les lieux. Grâce à ses appuis politiques, Watson parvient à mobiliser les forces de l'ordre pour faire évacuer la plage de ses occupants. Pour empêcher les gendarmes de donner l'assaut, Nicolas accepte de se constituer prisonnier et passe la nuit en garde à vue. Bénédicte, qui ignore tous les événements du watersport, appelle Arnaud à son secours. Il la conduit chez un médecin où elle apprend qu'elle est encore enceinte de Jimmy. Déjà debout. J'ai pas pu dormir. Je pense à Bénédicte. Oh, arrête avec Béné. Elle doit être tranquillement en train de dormir dans sa chambre d'hôtel. J'ai tellement envie d'aller la voir tout à l'heure. Enfin, si ça se passe bien ici. On verra. En attendant, moi je pense à Nico. Ça doit être super dur de passer une nuit en tôle. Il est vraiment trop, ce mec. S'il avait pas eu cette super idée, c'était réellement fort à l'amour. Ouais, tu sais, il y a un moment où je l'ai envie. Il a Jeanne. Il s'aime, il est heureux. Il se conduit pas comme un crétin. Ouais, mais t'oublies Hélène. Elle l'aime toujours, hein, ça se voit. Ça doit être dur à porter pour Nico. Après tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Il y a des moments où on se demande à quoi ça sert de vivre. Bon, t'arrêtes tes conneries, ouais. Je vais aller acheter des croissants avant de remonter le moral. Bonne idée. Moi, je vais faire chauffer de l'eau pour faire du café. Tu sais, Jimmy, la vie est belle, quand même. Désolé, José. Je t'aime beaucoup, mais... elle est pas belle, la vie. Un bon petit déjeuner. Ah, c'est gentil, mais j'ai pas très faim. Bon, écoute-moi. Tu n'as pas dîné hier soir. Tu n'as pas fermé l'œil de la nuit, alors maintenant, il faut que tu manges quelque chose. D'accord. Bon, je vais essayer. Tu sais, Arnaud, je suis complètement perdue. Je comprends. Mais t'inquiète pas, tout va bien. Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Tu étais triste d'avoir perdu ce bébé. Le ciel te fait un cadeau magnifique, tu devrais être heureuse. Mais tu te rends compte que ça arrive qu'une fois sur un million, mais comment est-ce que c'est possible? C'est un phénomène extrêmement rare, qui n'arrive que quand tu attends des faux jumeaux. Une poche se perce, mais l'autre est toujours là. Mmh. Et pour le moment, t'as un beau petit bébé qui est en train de grandir dans ton ventre. Tu crois qu'il n'aura pas de problème? Il n'y aura aucun problème. Les deux embryons sont complètement indépendants. En revanche, si tu veux que tout se passe bien, il faut que tu te nourrisses. Allez, mange. Merci. Merci. Rudy, réveille-toi, il faut que tu m'emmènes. Hein? Il faut que tu m'emmènes. Où ça? À l'hôpital. Faut que j'aille voir mon ami Mathieu, dont je t'ai parlé, qui est paralysé. Attends, il est 6h du matin. Oui, ben justement, il faut que j'y aille. Mon frère a dû mettre des détectives tout autour de l'hôpital, c'est la meilleure heure. Allez, debout. Ok, ok. Bah, t'es pudique maintenant? Non, mais... laisse-moi voir. Bonjour, monsieur Vernier. Bonjour, capitaine. Je suis désolé de vous avoir fait passer la nuit en garde à vue. Mais il faut bien que je compose avec ma hiérarchie. Watson est si puissant que ça? Et disons qu'il a des relations.
L'arrêté préfectoral qu'il a fait sortir hier interdisant les rassemblements en est un exemple. Vous savez, capitaine, dans cette affaire, nous agissons dans notre droit. L'acte de vente de la plage de Jimmy n'a pas encore été enregistré. Il a toujours son contrat de location avec son ancien propriétaire. Oui, je sais, mais il bénéficie aussi d'une autorisation spéciale de la municipalité pour installer son matériel et son commerce sur la plage. Et cette autorisation peut être résiliée à n'importe quel moment. Et vous croyez que Watson va attaquer par là? Si le maire résilie l'autorisation, il me faudra appliquer la loi et faire dégager la plage. Je comprends. Merci du tuyau. Je ne vois pas très bien ce que vous pouvez faire. Moi non plus, il faudrait jouer à mes amis. J'avais l'intention de vous libérer ce matin, mais j'ai reçu un fax du procureur me demandant de prolonger votre garde à vue jusqu'à midi. Ouais, d'accord. Elle nous coince ici, quoi. Les appuis de Watson sont politiques. La seule solution à votre problème est politique, elle aussi. Bien compris, ça. Merci. Dans une heure, vous aurez l'autorisation de consulter votre avocat, votre conseil. Ok. Allez, à plus tard, bon courage. Hein? À plus tard, merci, capitaine. Vous êtes sûr qu'elle a passé la nuit chez ce chauffeur de taxi, là? Certain, monsieur Watson. Il y a deux hommes devant la maison dans laquelle elle se trouve. Et dès qu'elle sort, ils nous la ramènent. Et pourquoi ils ne sont pas intervenus plus tôt? C'est pas la peine de commettre un enlèvement avec effraction. C'est moi qui leur ai demandé d'attendre ce matin. Autant faire le travail proprement sur la voie publique. Ouais, t'as raison. Ouais. Bon, ben, vous pouvez y aller, mais cette fois-ci, vous avez vraiment intérêt à pas vous rater. Hein. Ne craignez rien, monsieur Watson. Nous allons faire le nécessaire. T'as vu le maire? Pas encore, il doit m'appeler. Il faut vraiment qu'il nous fasse cette résiliation du permis d'exploitation de Jimmy dans la matinée, t'as compris? Ouais, t'inquiète pas. Ah, au fait, j'ai fait prolonger la garde à vue de Nicolas Vernier jusqu'à midi. Très bien, ça nous laisse un petit peu de temps. Bon, je vais en profiter pour piquer une tête. Bonjour, toi. Il est quelle heure? 7h, 7h30. Bien dormi? Ouais, super. mais si je comprends bien, on a dormi ensemble. Ah oui, oui, oui. Eh bah, ben, pour une première nuit, c'est original. On peut le dire. Bonjour. Salut. Salut, bien dormi? Ah oui, comme les anges. Vous êtes pagné? Ouais, on va t'aller piquer une tête dans la mer, ça fait du bien. Ah, ça c'est une excellente idée, j'y vais tout de suite. Moi je vais te manger quand je me réveille. Bon, ok, à tout à l'heure. C'est vraiment sympa, hein? Ah, c'est un amour. Vous avez des nouvelles de Nicolas? Non, pas encore. Je vais passer à la gendarmerie tout à l'heure. Bonjour. Vous voulez le café? Oui, avec plaisir. José est parti chercher les croissants, mais il n'est pas encore revenu. Mais tu connais José, il traîne toujours un peu. Ouais. Bon. On va proposer aux autres. Vraiment de la peine. Je parlais avec lui hier. Il tenait vraiment ce bébé. Ah, et Bénédicte est là. Mm. Je vais passer la voir en allant faire les courses. Bonne idée. Mm. Bon. Je vais rejoindre Christian. Ah. Bon, en tout cas, il y en a une qui est heureuse en ce moment. Bon, allez, on y va. Il est tard.
Laisse-moi au moins m'habiller. Oui, mais dépêche-toi. C'est toi qui nous as fait perdre du temps. Ah, t'appelles ça perdre du temps? Non, c'était superbe. Ça va pas, vous êtes malade? Je vous en supplie, emmenez-moi! C'est quoi cette histoire? Je dois m'enlever! Démarrez! Démarrez vite! Merde! Allez! Avance! Je te remercie, vraiment. Mais vous êtes à Watson? Peut-être du travail. Je veux pas te bloquer ici. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu veux encore un peu de jus d'orange? Ah non, merci, je peux plus rien avaler, là. Et puis, il va falloir que j'ouvre la galerie. J'ai des responsabilités, maintenant. Mais reste encore un peu. Repose-toi. Ok, je reste encore 5 minutes. Tu sais, Bénédicte, ce que je t'ai dit hier, je le pense encore. Si t'acceptes de m'épouser, je serai le plus heureux des hommes. Et je te jure que le bébé que tu portes, ce sera le mien. Mais Arnaud, mais c'est pas possible. Il a un père. Oui, mais tu m'as dit que tu voulais plus jamais le revoir. Mais je sais pas. Tout va trop vite, ça se bouscule dans ma tête. Je comprends. Je voulais te le dire, c'est tout. Merci en tout cas. Mais vous êtes complètement abruti ou quoi? Mais je m'en fous, moi. Retrouvez-la, débrouillez-vous. Comment? Non, mais je rêve. Il est hors de question que je paye la moindre facture, c'est compris? Hors de question! Ils ont encore laissé filer Eve. Où tu m'as trouvé cette paire d'imbéciles, là? Ah, je suis désolé. Ce sont les meilleurs détectives de l'île. Ils avaient bonne réputation. Hein. Je vais en faire une autre, moi, de réputation. Et ils pourront aller vendre des coquillages sur le marché. Tu penses à ta petite Jeanne en disant ça? Ça va. C'est pas le moment de faire de l'humour, hein, d'accord? En tout cas, ça prouve que ta petite sœur est en bonne santé, puisqu'elle a réussi à leur échapper. Ouais, bah c'est déjà ça, ouais. T'as eu le maire, au fait? Pas encore. Mais rappelle, Jean-Paul, rappelle. Ou plutôt non, tiens, on va y aller nous-mêmes, ça ira beaucoup plus vite. Allez, viens. Histoire de dingue. Ton frère veut te faire enlever par des détectives. Je te jure que c'est vrai. Il veut me faire rapatrier à Paris. Mais moi, je veux pas. Je veux pas quitter Mathieu. Il est encore vivant, celui-là, comme il va? T'es pas au courant? Il a eu la colonne vertébrale cassée pendant l'accident. Il pourra plus jamais marcher. Merde. Le pauvre. T'es sûr? Ouais, hélas. Tu comprends pourquoi je peux pas le laisser tomber? Ouais. Ça veut dire que t'es pas aussi pourri, quoi, hein?
Non, mais je sais que j'ai fait pas mal de dégâts dans ma vie, mais... Mais c'était pas de ma faute, je m'en rendais pas compte. Bien sûr, ouais, c'est ce qu'on dit toujours. Trop belle vie, trop de fric, ça gâche tout, hein. En tout cas, je suis vraiment désolée pour Jimmy. Tu sais que Bénédicte a perdu son bébé? Non. C'est affreux. Je te dis pas dans quel état elle est. Jimmy aussi, non. Je sais pas quoi te dire. C'est vraiment de ma faute. Bon, et puis c'est pas la peine de pleurer, ça va rien changer, hein. Bon, je te dépose où, là? Je sais pas, mais faut surtout pas que Peter me retrouve. Tu veux pas m'emmener avec toi? Je suis sûre que je vous serai utile. Pourquoi pas? Et tout. Comment va le moral des troupes? Très bien. Il y a d'autres copains qui doivent arriver dans la matinée. Bon, ben moi je vais aller voir Nico à la gendarmerie. Et moi je vais faire des courses. Faut penser au sandwich de ce midi. Tu veux que je te dépose? Eh ben si tu veux, on est parti. On est parti. Bon, Jimmy, à tout à l'heure. À tout à l'heure. En fait, vous passez voir Benny? Mais t'inquiète pas, on tient au courant. Ça va ce que tu joues? C'est quoi? Bah je sais pas, n'importe quoi, j'improvise. Je vais peut-être appeler ça Pretty Joanna. Hey Jimmy, on peut prendre les deux jets pour faire un tour et il se passe rien de toute façon. Bah oui, bien sûr. Prenez ces deux-là. Je vais aller chercher les gilets. Ok, merci. Tiens. Merci. Tu pourrais mettre ça dans un coin, s'il te plaît? Bah oui, alors, je te remercie. Quoi? C'est un peu tard pour les croissants, non? Je suis désolée, Jimmy. C'est ma faute. Eve, mais qu'est-ce que tu fais là? Je vais t'expliquer. Hein? Alors, comment tu te sens? Bah écoute, ça va. Puis de toute façon, maintenant, je sais ce que j'ai. Je vais beaucoup moins m'affoler. Est-ce que tu veux que j'aille te chercher quelque chose à manger ou à boire? Non, ça va. Puis si j'ai besoin de quelque chose, il y a le bar d'en face. Et puis, faut pas que tu sois trop gentil avec moi. Hein. Je risquerais de m'habituer. Ça me dérange pas. Je t'aime. Puis j'ai pas envie de te quitter. T'as du travail, non? Oui. Faut que j'aille régler cette affaire avec Peter Watson. Comme ça, je penserai à toi. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. D'accord. Thank you.
Alors, il a été difficile à faire sauter le permis d'exploitation du watersport de ce pauvre Jimmy. Non, mais enfin, ça va quand même nous coûter une nouvelle piscine municipale. Ouais, c'est pas grave, on mettra ça sur le budget global de l'opération, t'inquiète pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah écoute, le maire s'occupe d'appeler le capitaine Roquemorel. Mmh. On va laisser la police faire son devoir. Puis moi, j'ai bien envie de faire une petite java, là. Ça te dit? Et Eve? Eve. Les détectives sont à sa recherche et puis de toute façon, elle a décidé de faire sa vie toute seule, alors elle verra bien où ça la mène. Allez, monte, c'est moi qui t'invite. Bon, voilà, tu y es. Bah, je te remercie, tu veux pas venir avec moi? Non, faut que j'aille faire des courses. Puis je veux passer faire un petit coucou à Bénédicte. Je repasse te prendre? Non, c'est pas la peine, je sais pas combien de temps je vais. Je vais rester, puis je rentrerai à pied. Ok, bah tout à l'heure. Embrasse Nicolas pour moi? Bien sûr. Merci. Écoute, José, c'est pas possible. On peut pas la garder ici. Mais réfléchis un petit peu. C'est la sœur de Peter Watson. Tu comprends ça? Tu connais un meilleur sauf-conduit si l'autre continue de nous emmerder? Je sais, mais je ne peux pas. C'est à cause d'elle tout ce qui t'arrive. Tu comprends? À cause d'elle. Un petit peu à cause de toi aussi. Ouais, bon, excuse-moi, je dis une connerie. Je vais lui dire de partir. Attends, José. Je vais aller lui dire moi-même. Je crois que ça sera mieux. Comme tu veux. Eve, il faut que je te parle. Tu veux que je parte, c'est ça? Tu sais, ce qui m'arrive en ce moment, c'est un peu dur. Ouais, j'ai appris. C'est affreux. Bon, t'as raison, je vais partir. Tu vas aller où? Je sais pas. Quelque part, sur l'île. De toute façon, je connais personne à part vous. C'est vrai que ton frère te recherche? Il veut me faire rapatrier à Paris. José, t'as pas expliqué? Si. Je suis vraiment désolé pour Mathieu. Mais j'y vais. Eve, attends. Tu peux rester si tu veux. Merci. Alors, comment tu le trouves? C'est magnifique. On fait un tour sur la plage? Si tu veux, ouais. Et Christian? Hein? Ça marche, ce thank you.
habite Love Island. Elle a une galerie d'art juste à côté. On peut dire qu'elle a tiré le gros lot. Merci. Merci. Normalement, il n'a pas le droit d'avoir de contact avec l'extérieur avant une heure encore. Mais disons que ma montre avance. Allez, venez. Merci, capitaine. Allez-y. Merci. Jeanne, ça va? Oui, et toi? Bah, ça pourrait être pire. Le capitaine fait de son mieux. Bon, je vous laisse avec votre avocat comme le prévoit la loi. Mademoiselle est bien avocate, n'est-ce pas? Bien entendu. Merci, capitaine. Tu m'as manqué cette nuit. Toi aussi. C'est quoi cette histoire d'avocate? C'est la loi. En garde à vue, un prévenu a le droit de consulter son avocat au bout de 21 heures de détention. Alors, le capitaine essaie de faire comme si. Ça veut dire qu'il est avec nous, alors? Il a pu écœurer par les manœuvres de Watson. Comment va le voir les troupes? Au beau fixe, on a tous dormi sur la plage cette nuit. T'es pas avec un grand bras? Tu vas rire. J'ai dormi avec Helen. Bon, bah tout va bien alors. Qu'est-ce qu'on va faire, Nicolas? Faut continuer à occuper la plage. Notre seule force, c'est d'avoir toute la population de l'île avec nous. Tout le monde est déjà venu nous voir, tu sais. Tant mieux. Je suis désolé de vous déranger, mais ce que je craignais est arrivé. Je viens de recevoir un coup de fil du maire. Le conseil municipal vient de résilier l'autorisation de votre ami Jimmy. Et ça veut dire? Ça veut dire qu'il vient officiellement de demander à la gendarmerie d'évacuer la plage. Et que j'ai 2 heures pour m'exécuter. Vous aviez raison. Watson a vraiment de puissantes relations. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? À part une révolution, pas grand-chose, mademoiselle. Enfin, je veux dire maître. Je sais plus. Si tu savais ce qui m'arrive. Je suis au courant. Tu vis un grand roman d'amour avec ton prince, non, je non, sais. Non, 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 ça c'est autre chose. T'es assise là? Je suis enceinte. Attends, Béné. Bon, c'est vrai, t'as subi un gros choc. Non, non, attends, Hélène, je suis pas folle, je t'assure que c'est vrai. J'ai passé une échographie hier. Et je suis toujours enceinte. J'attendais des jumeaux et j'en ai perdu un seul. Ben là, t'as raison, faut que je m'assieds. T'as bien fait de lui dire de rester. Je me demande si j'ai eu raison. Évidemment que t'as eu raison. Je vais te répéter ce que je t'ai dit tout à l'heure. Par rapport à Watson, c'est une arme colossale. Tu vas voir. Ouais, bon, c'est pas pour ça que je l'ai fait. Mais c'est pourquoi alors? À cause de Mathieu. Vous savez qu'elle était paralysée? Ouais, ouais, Eve me l'a dit. Pauvre type. C'est pour lui qu'elle veut rester sur l'île. C'est pour ça que je lui ai dit oui. Puis au point où j'en suis avec Bénédicte. Ah, ça va s'arranger, tu vas voir. Si je pouvais tout recommencer. Si je pouvais revenir en arrière, je... Tu sais, Jimmy, la seule chose irréparable dans la vie, c'est la mort. Tout le reste, ça se remet toujours. Si tu pouvais avoir raison. Mais bien sûr que j'ai raison. Bien sûr. Elle va te revenir, ta Bénédicte. Et tu seras très heureux. Et tu lui feras plein de bébés. Et puis, de temps en temps, tu m'inviteras boire un coup. Et puis, on reparlera de tout ça en rigolant. J'aimerais tellement que ça se passe comme ça.
Ça va se passer comme ça. Évidemment. Hey, Jimmy, t'as vu le journal? Est-ce qu'il parle de nous? Il y en a un truc sur le... Non, c'est pire que ça, regardez. Je savais pas que Bénédicte t'avait laissé tomber, c'est dégueulasse. Mais c'est complètement incroyable ce que tu me racontes. Pourtant, c'est vrai. J'ai vu l'embryon à l'échographie. J'ai entendu son petit cœur battre, tu te rends compte? Bah, c'est vraiment formidable. Je suis contente pour toi, tu dois être heureuse, non? Oh, je sais pas. Alain, je sais plus où j'en suis. Ouais, je comprends, mais ça va aller. Puis c'est compliqué. Ce bébé, je m'étais habituée à l'idée de l'avoir perdu. J'avais recommencé ma vie différemment, et là... Puis j'avais réglé le problème de Jimmy dans ma tête. Plus rien me rattachait à lui. Et maintenant, je me retrouve avec son bébé dans le ventre. Non, mais faut que tu lui dises, hein. Tu peux pas lui cacher. Bah, je sais. Je sais, mais... Je sais pas comment faire pour le lui annoncer. Bah, tu lui dis tout simplement. Il va être heureux, tu sais. Non, parce qu'il va vouloir que je revienne à cause du bébé. Et moi, je veux plus vivre avec lui, Hélène. C'est fini. T'es amoureuse d'Arnaud, c'est ça? Je sais même pas. Pourquoi tu me dis ça? Bah, pour ça. On est bien. J'avais oublié qu'on pouvait être aussi bien. Tu sais, c'est la première fois que je fais l'amour depuis la mort de Linda. Je sais bien plus quand c'était la dernière fois. Pourtant, t'es vachement belle. Je dois être quelqu'un de compliqué. Peut-être que je suis trop difficile. J'ai rarement trouvé quelqu'un qui me donnait envie d'aller jusqu'au bout. Mais alors, pourquoi moi? Je sais pas. Pourquoi moi? Je sais pas. Attends, mais c'est pas possible. Ils nous suivent depuis 3 jours. Non mais regarde, partout où on est allé, il y a une photo. Ouais, c'est pas paradis. Ils ont dû arriver dès qu'ils ont su qu'Arnaud était sur l'île. C'est nul. C'est complètement nul. Et c'est pour ça qu'elles me regardent toutes comme ça, là? C'est pas de leur faute. Je sais. Mais tu te rends compte qu'il y a ce torchon, là, distribué partout, avec ma photo en couverture? Bon, ben, calme-toi. Hein. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. Je vais téléphoner à Arnaud. On va leur faire un procès. Mais ça changera quoi? Peut-être rien. Mais je peux pas laisser passer ça. Oh là là. Et si Jimmy tombe là-dessus? Arrête tes conneries, ça sert à rien.
J'en ai marre, José. J'en ai marre. Je quitte cette putain d'île. Mais tu peux pas partir comme ça. Pas au moment où tout le monde est là pour sauver ton water sport. Écoute, mon père, j'ai rien à foutre de mon water sport. Qu'il arrase, Watson. Qu'il construise l'Empire State Building, je m'en fous. Écoute, essaie de te calmer maintenant, hein. Ce canard-là, c'est un torchon, un journal à scandale, tu comprends ça? Ils écrivent n'importe quoi. Ah ouais? Mais ça, ça c'est qui? La reine d'Angleterre, peut-être? Mais attends, c'est peut-être un montage, moi j'en sais rien. Ah ouais? Les photos à l'intérieur. C'est du montage, ça aussi. Ça. Tu vois bien qu'elle embrasse, non? Et le mec là, ça c'est qui? C'est le mec qui est avec elle dans la boîte l'autre soir. Et d'ailleurs, tu sais ce que je vais faire avant de partir? Je vais lui casser la gueule à ce connard. Non mais ça va pas, oh, oh. Hey, tu vas te calmer maintenant, hein, d'accord? J'ai pas envie. Fous-moi la paix, José. Fous-moi la paix, c'est pas le moment. C'est... Si, si, c'est le moment. Écoute-moi bien. Je comprends que tu aies ton orgueil de coq ulcéré, hein? Je comprends que tu sois mal. Je comprends même que tu m'envoies balader. Mais maintenant, ça suffit! Il y a la moitié de l'île qui s'est mobilisée pour sauver ton water sport, d'accord? Nico a passé la nuit en tôle. Et on est tous sur les nerfs. Alors maintenant, toi, tu vas te calmer! Et attendre qu'on ait réglé ce problème avant de hurler à la mort. Après tout, tout ça peut attendre. Salope que les autres. Je peux rester comme ça toute ma vie. Moi aussi. Il faudra rentrer. Je peux pas abandonner mes copains. C'est marrant, vous vivez un peu en tribu, hein. Ah, c'est un peu ça. Tu sais, ça fait presque 10 ans qu'on se connaît. C'est super, les amitiés qui durent si longtemps. Normalement, c'est pour la vie, l'amitié. Et l'amour? Je sais pas. Oui, on vient de la porter. T'as raison, c'est vraiment ignoble. J'appelle mes avocats, on va les attaquer. Mais attends, ça servira à rien, c'est trop tard. De toute façon, je peux pas laisser passer ça. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Ça te pose pas trop de problèmes, j'espère. Je sais pas, j'ai pas encore réalisé. Ça va, toi? Hein? Ouais, t'inquiète pas, je suis avec Hélène, là. Écoute, je vais passer te voir. Non, 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 je t'assure, c'est pas la peine de passer. À tout à l'heure. Bye. Qu'est-ce que je fais? Viens voir Jimmy. Si tu veux, je t'emmène. De toute façon, moi, faut que je tarde trop à y retourner. C'est vrai qu'il y a en plus cette histoire avec Watson. Bon, je vais venir avec toi.
N'oubliez pas qu'officiellement, vous êtes encore en garde à vue pour 3 heures. Je vous remercie, capitaine, vraiment. Dans 1 heure, je serai obligé de faire évacuer la plage. Ça vous laisse pas beaucoup de temps. Faites en sorte de calmer vos troupes. Ça va pas être facile, ça. Hein. Il faut éviter la casse, Nicolas. Hein? Je fais ce que je peux. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Écoute, je connais un avocat à Paris. Il m'a rendu quelques services il y a plusieurs années. Je peux toujours l'appeler. Toujours? Bon, alors je file prendre son numéro à la cabane et je vous rejoins. Ok, à tout de suite. Je t'aime. J'ai beaucoup changé, Jimmy. Je me suis aperçue que j'avais fait n'importe quoi de ma vie jusqu'à présent. Moi non plus, c'est pas très brillant. Non, mais c'est complètement différent. T'as pas fait de mal aux gens, toi? Si. Un Bénédicte. Ça n'a rien à voir. C'est une histoire d'amour qui s'est mal passée. Moi, j'ai tué mes parents. Et Mathieu est en chaise roulante à cause de moi. J'ai été un monstre. Tu comprends? Ouais. Mais l'essentiel, c'est que tu te rends compte. Ça fait du mal, tu sais, de s'en rendre compte. Mais je vais réparer ça. Je vais épouser Mathieu. Je vais m'occuper de lui. Je vais essayer de le rendre heureux. Ça, c'est bien. Il le mérite. Et toi, avec Bénédicte? Ça va s'arranger? Non, je crois pas, non. C'est fini. De toute façon, elle a trouvé un autre mec. Pardon? Bah, tu n'as qu'à lire les journaux. T'es malheureux? Je sais même plus. Il y a une demi-heure, j'étais prêt à tout laisser tomber. Mais là, je sais plus rien. Ben voilà, tu y es. Oh là là, Hélène. C'est la guerre ici. Presque. Oh. Je sais pas comment on va s'en sortir. Salut les filles. Béné, c'est sympa de venir nous aider. Salut José. Je viens voir Jimmy, il est où? Attends, je vais t'expliquer, c'est à cause de moi. D'accord. On prend les mêmes et on recommence. Mais c'est moi qui l'ai ramené, c'est disputé que ça. Ça va, José. Les rolling gags, ça m'a jamais fait rire. Bon, je vais prendre un taxi, je vais retourner à la galerie. J'ai plus rien à faire ici. Mais attends, je vais te ramener. Non, Hélène, ça va aller. Viens, viens voir. Je dis rien à Jimmy pour le bébé. J'ai pas envie qu'il soit au courant. Mais Bénédicte. Non, arrête. Trop, c'est trop, Hélène, tu comprends? T'inquiète pas, ça va aller. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Retourner à la galerie, je sais pas. Appeler Arnaud. Je sais rien. Bon, tu veux pas que je vienne avec toi? Non, ça va aller, je t'assure. C'est la merde, quoi.
Bah oui, comme tu dis. Regardez ce que j'ai trouvé. Voilà moi. Voilà moi. Ça m'appartient maintenant. Tu réponds, Jean-Paul ? Oui, tout de suite. Allô ? Oui. Ah bon ? Bon, j'en informe Monsieur Watson. Je vous remercie. C'était qui ? C'était la mairie. Rock Morel vient de leur confirmer qu'il donnait l'assaut dans 30 minutes. C'est parfait, ça. Excuse-moi, ma chérie, mais je dois assister à un spectacle que je ne voudrais rater pour rien au monde. Bien. C'est vraiment pas de bol. Ouais, comme tu dis. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Béné ? Pourquoi elle voulait parler de Jimmy ? Pas comme ça. Avec ce qui s'est passé, elle avait envie de lui parler. Cette histoire-là, avec le mec sur le journal, t'es au courant, toi ? Ce genre de journaux, c'est n'importe quoi. Quand même, hein. Y a les photos, hein. J'aurais jamais cru ça d'elle. Bon, José, j'ai pas du tout envie de parler de ça. Ouais, excuse-moi. Et si j'en parle à Jimmy, tu crois que c'est une bonne idée ? Non, non. Surtout, t'en mêle pas. J'irai voir Bénédicte tout à l'heure. Ouais, t'as sûrement raison.